Et bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Rendez-vous du numérique où je vous parlais des meilleures platines vinyles en 2022. Les disques vinyles sont une perte de temps et d'argent si vous n'avez pas le meilleur tourne-disque ou platine pour les faire tourner. C'est pourquoi on vous propose cette sélection. Si vous songez à faire le premier pas vers l'application musicale analogique, mais que vous êtes déconcerté par le choix des platines disponibles, nous avons une solution possible. Une grande liste de platines, en commençant par nos préférées. Tout ce que vous avez à faire est d'établir votre budget et de choisir une platine. Nous avons listé les meilleurs tourne-disques sans fil Bluetooth, USB et plus encore. Déjà, on a la platine vinyle Sony PSHX500. Probablement le meilleur de la nouvelle vague de platine USB, cette platine Sony vous permet de rip les fichiers MP3 sans perte avec un audio haute résolution et un logiciel sur mesure d'une qualité exceptionnelle. Ensuite, on a la platine Victrola Empire. Entre tradition et modernité, Victrola nous offre un produit original avec sa platine vinyle Empire au design vintage et à la pointe de la technologie. Cette platine aborde un chic design rappelant les années 50 avec son bois de couleur expresso et ses teintes dorées. La radio FM incluse dans ce tourne-disque possède un cadran rotatif illuminé par des LED. Plus qu'une simple platine, l'Empire dispose de fonctions Bluetooth vous permettant de découvrir de la musique depuis votre smartphone. Si vous avez chez vous une belle collection de CD, vous pouvez les écouter avec le lecteur CD de la platine vinyle Victrola. Vous l'aurez compris, la platine Victrola Empire est un appareil qui vous permet d'écouter de la musique quel que soit son format, que ce soit par Bluetooth, CD, cassette, radio et bien évidemment vinyle. Enfin, si vous voulez découvrir votre musique sans déranger votre voisinage, la platine Empire dispose d'une entrée 3,5 mm et d'une prise jack pour y brancher votre casque. Pour résumer, la platine vinyle Empire de Victrola et touche à tout. Elle est capable de jouer de la musique sous tous ses formats. Cependant, elle a un problème, c'est un peu un jack of all trades, elle est un peu bonne à tout, excellente à rien. C'est-à-dire qu'elle est capable de couvrir plein de domaines sans être excellente dans aucun. Finalement, cela reste un exemple de produit si vous cherchez de la polyvalence, en contrepartie d'une qualité amoindrie. Ensuite, on a la platine vinyle House of Marley Stir It Up. Certains tourne-disques sont élégants, d'autres ont un excellent son. Peu sont capables de faire les deux, et presque aucun ne combine esthétique et technologie aussi efficacement que la platine House of Marley Stir It Up. Elle est superbe, fabriquée à partir de recyclés et offre un son exceptionnel. Mieux encore, elle se vend à un prix incroyable, compte tenu de tout ce qu'elle offre. A-t-elle des points faibles? Bien sûr, mais ils sont mineurs. Si vous le comparez à un modèle haut de gamme, elle ne peut évidemment pas rivaliser, mais elle surpasse la plupart des concurrents dans le milieu de gamme. Ensuite, on a la platine vinyle Reloop Turn 5. La Turn 5 de Reloop est une excellente alternative aux platines haut de gamme avec son prix, bien construite, bien spécifiée et à un prix très intéressant. Il s'agit d'une platine très esthétique, au son remarquablement agréable. Elle offre également la possibilité de mise à niveau, remplacer la cartouche par une autre mieux adaptée au bras et vous obtiendrez des résultats bien meilleurs. Bien qu'elle n'atteigne pas les performances d'une technique, elle vous permettra d'atteindre un résultat plus que satisfaisant pour un prix nettement inférieur. La Turn 5 possède une vitesse impeccable, du timing, du dynamisme et de l'habileté rythmique. Elle a une cinétique un peu plate, un produit peut-être de l'inadéquation entre la cartouche et le bras causant certains amortissements des hautes fréquences et quelques résonances harmoniques dans le bras en dessous des 200 Hz. Plus important encore, la Turn 5 est tout simplement très agréable à entendre. L'agilité des basses permet d'obtenir des basses vivantes et énergétiques. Dans les aigus, la signature sonore est plus détendue que brillante, certains diraient chaleureuse. Solide et robuste en termes de conception avec un élément de finesse esthétique qui lui est agréable à l'œil. La Turn 5 fournit un éventail admirable de détails. Plus importante encore, elle se distingue de la concurrence et offre un choix sonore authentique et apprécié à ce seuil de prix qui devient important. Et pour finir, on a la platine vinyle Lion RLP. La Lion Audio RLP est une platine USB abordable, capable de convertir un signal analogique en signal numérique. Elle est particulièrement adaptée aux personnes qui souhaitent disposer de nombreuses options d'entrée et de sortie. La RLP est non seulement dotée de nombreux ports et de connexions câblées, mais aussi de la fonction Bluetooth pour la transmission audio sans fil vers un casque ou des enceintes. C'est une caractéristique vraiment remarquable pour une platine USB à ce prix-là. Bien sûr, certaines caractéristiques montrent pourquoi elle est moins chère. Par exemple, la cartouche fournie est de moins bonne qualité que certaines options, et le logiciel est très simpliste, bien que cela puisse être un avantage, car il est très facile à utiliser. Pour conclure, vous pouvez être aussi obsessionnel que votre budget le permet. Mais en fin de compte, votre meilleur ami peut être un niveau à bulles. L'élément le plus important dans toute installation de platine vinyle est une surface bien nivelée et stable sur laquelle votre vinyle peut s'asseoir. Peu importe les accessoires que vous avez si votre vinyle tourne sur un sac de haricots. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec vos amis, mettre un like et vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour ne rater aucune nouvelle. Et évidemment, le lien du produit présenté ici est présent dans la description. Alors n'hésitez pas une seule seconde.